Salut à toutes, c'est Anthony de 56. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme tu l'as vu dans le titre. Je vais raconter ma journée dans le vlog, donc dans le vlog. Désolé, au Puy du Fou. Donc après, vous en faites pas, hein. Il va y avoir des extraits du Puy du Fou, mais avec Instagram. Parce que j'ai fait des stories Insta, du coup je les ai enregistrés sur mon téléphone au lieu de prendre ma caméra, et en plus j'ai oublié de prendre ma GoPro. Donc j'ai décidé de faire ça. Il y aura plusieurs rushs avec des extraits. Alors j'en ai pensé quoi depuis du Fou? Franchement, pour une première fois au Puy du Fou, c'est énorme. Toutes les activités sont énormes, les Vikings, les Romains, le secret de la lance, il y avait quoi d'autre? Pas les Vikings, les oiseaux fantômes, et un spectacle où en fait on avait des écrans en 180 degrés autour de nous. Bah, vous allez le voir en story normalement, si j'ai fait. En 360 degrés autour de nous. Et là, à chaque fois, on avait un plateau qui tournait autour de nous. C'était super, car à chaque fois, il y avait une scène. Tu n'étais pas obligé d'attendre pour avoir une nouvelle scène. Chaque fois, ça tournait autour, ça faisait, par exemple, il y avait une scène, pendant qu'on regarde la scène, une scène se préparait, et quand celle-là était finie, on tournait, ainsi de suite. C'était super, j'ai trop kiffé. J'ai bien aimé parce que le Puy du Fou c'est vachement grand. Bon, il y a même des fois où on peut se perdre si tu suis pas les pancartes. Par exemple, on était au numéro 4, je crois. Au numéro 4, il fallait aller au numéro 6, on savait pas où c'était. Après, on l'a trouvé. Il y avait quoi d'autre aussi? Ah oui, on était à l'autre bout du parc, on était au nord du parc, et fallait aller au sud du parc. On avait 30 minutes pour y aller. On l'a fait quand même. Il y avait quoi d'autre aussi? C'était dans une forêt aussi. Bon, n'amenez pas des chaussures noires, parce que ça dégueulasse les chaussures, parce qu'en fait, la plupart, c'est que des graviers. Donc ça dégueulasse toutes les chaussures. C'est dans une forêt, donc ils autorisent de fumer. Vous voyez, des pancartes autorisation de fumer, mais par contre, t'as pas le droit de jeter le mégot dans la forêt. T'as juste le droit de jeter le mégot par terre et tu l'écrases ensuite. Parce que après, ce serait dommage. Puis du Fou, je pense quoi, pour une première fois, c'est faut vraiment le faire, c'est énorme. Parce que si tu le fais pas, et faut au moins le faire une fois dans ta vie. Déjà, c'est le plus grand parc européen. Ou je croyais que c'était le plus grand parc du monde. Non, le plus grand parc européen. Et surtout, il faut aller voir le bal des oiseaux. Pourquoi? Parce que les oiseaux, ils passent à 20-10 cm de toi. Tu es obligé de baisser la tête parce que tu dis s'ils sortent les griffes. Il y a même une de mes profs. Il y a un oiseau qui est retourné, ouais, parce que c'était des gradins, donc il passait comme ça, si vous voulez. Nous, on était là, il passait comme ça. Et dans le moment où il fallait repartir, j'ai ma prof, elle s'est reçu un coup d'aile dans la figure, mais rien de grave. Bref, donc maintenant, on va se retrouver avec les extraits, les stories Instagram, désolé, sur ce. Ciao, maximum de likes, maximum d'abonnements, et sur ce, ciao. Thank you.
Daddy, they are.